Il me fait grand plaisir aujourd'hui de présenter des résultats de recherche sur la cécidomie du chou-fleur et donc une petite guêpe qui va venir à la rescousse du canola. Tout d'abord, je vais vous présenter la cécidomie du chou-fleur. C'est un ravageur important du canola. Notamment, l'adulte qu'on peut voir ici, c'est un petit moucheron d'à peu près 1,5 à 2 mm avec une tête noire, de longues antennes. Le corps va être brun pâle à gris avec de longues pattes et l'abdomen va être plutôt jaune verdâtre. C'est très, très petit, c'est difficile à apercevoir dans les champs. Et la larve, elle, va être dissimulée à l'intérieur des bourgeons pleuraux du canola. Très petite aussi, de 2 à 4 mm, ça va ressembler à un petit asticot jaune à maturité. Cet insecte, en fait, va présenter de 2 à 4 générations par année. Puis souvent, ces générations vont se chevaucher. La cécidomie du chou-fleur va hiberner sous forme de pupe. Donc, c'est vraiment la larve qui va se transformer dans le sol pour former une petite loge pupale. Et donc, il va passer l'hiver dans sa pupe et va émerger au printemps quand les températures vont réchauffer. Donc, l'adulte, comme je disais tout à l'heure, va pondre dans les bourgeons floraux de canola. Donc, ici, on peut voir un bourgeon floral infesté par des larves de cécidomie du chou-fleur. Donc, on voit vraiment les petites larves qui ressortent du bourgeon floral. Et les stades sensibles, en fait, on va parler de l'élongation, c'est-à-dire quand le canola va vraiment élonguer pour aller à floraison, jusqu'au début de l'ouverture des boutons floraux. En termes de seuil économique, il n'y en a aucun qui est établi au Québec. Par contre, il y a des études en Ontario qui sont effectuées. Le seuil d'intervention économique provisoire pour le moment, on parle de 5 cécidomies par piège par jour, mais nous, on a des études qui montrent que ça pourrait être un petit peu plus important que ce seuil. La cécidomie du chou-fleur, je vous le disais, c'est un ravageur important de canola, donc notamment au niveau des brasses cassées, donc tout ce qui est culture crucifère. Et au niveau des dommages, en fait, on va avoir différentes manifestations, différents symptômes qu'on peut apercevoir. La première, c'est les jeunes feuilles ou les pousses qui vont se déformer. On va avoir des tiges qui vont se tordre. Et donc, ça va en fait limiter l'élongation de la tige principale. Ensuite, on peut avoir un arrêt de croissance. Donc, on peut voir ici des plants qui sont pas infestés, pour lesquels on a eu une élongation de la tige principale, alors que des plants qui sont infestés par la cécidomie du chou-fleur, on a vraiment un arrêt de l'élongation. Ensuite, on peut avoir un avortement des points de croissance. Donc là, c'est un arrêt de l'élongation. Mais par contre, on a quand même quelques fleurs qui ont été fécondées et on a le développement du fruit, donc les siliques, mais qui vont se former sous forme de bouquets. Donc ça, c'est un symptôme vraiment typique qu'on peut apercevoir un peu plus tard en saison. Et finalement, au niveau de la tige, on peut avoir également des gousses qui vont être manquantes sur la tige principale ou les tiges secondaires. Un ravageur qui est difficile à gérer, notamment parce que les larves vont se développer à l'intérieur des bourgeons floraux. Et donc, quand on va utiliser des traitements, ça va pas forcément être difficile de rejoindre la larve pour avoir une efficacité maximale. Ici, les deux photos vous montrent un petit peu des symptômes typiques juste avant que les bourgeons floraux s'ouvrent. Donc là, les larves sont vraiment à l'intérieur. On voit une coloration violette, en fait, qui montre qu'il y a eu une infestation de cécidomie du chou-fleur. Les générations aussi sont multiples tout au long de la saison. Donc là, c'est difficile d'intervenir puisqu'on n'a pas des générations qui sont séparées. On va avoir des individus qui vont être piégés tout au long de la saison. Finalement, la diapause, donc c'est-à-dire la durée où l'adulte, la larve va passer dans le sol pour devenir un adulte, va être variable. Et donc, encore une fois, on va avoir des émergences qui vont se faire à différents moments durant la saison. La cécidomie a aussi un large spectre de plantes hôtes. Donc, elle se développe pas uniquement dans le canola, mais sur toutes les cultures brassicacées, notamment les crucifères maraîchères. Les méthodes de lutte actuelles offrent très peu de protection, en fait, ou une protection non suffisante dans la culture du canola, et il n'y a aucun programme de lutte biologique contre la cécidomie du chou-fleur à l'heure actuelle. Par contre, en 2016, il y a eu la première mention d'un parasitoïde, donc c'est un ennemi naturel de la cécidomie du chou-fleur, qui s'appelle Sinopea smilis. Donc, lui est un ennemi naturel de la cécidomie du chou-fleur. Son nom scientifique, Sinopea smilis, n'a pas de nom vulgarisé encore, fait partie de la famille des platygastéridés. Et donc, on va parler d'un endoparasitoïde, c'est-à-dire qu'il va pondre ses œufs à l'intérieur de la larve de CCS. Donc, si on regarde un petit peu une petite vidéo, l'insecte qui va utiliser ses antennes en fait, pour aller chercher la larve. Donc là, il cherche vraiment les larves, il sent en fait au travers de ses antennes. Puis quand il trouve la larve, en fait, il va vraiment utiliser ses pattes arrière pour aller mettre son ovipositeur, donc la petite pointe, la petite piqûre. En fait.
C'est ça. Son ovipositeur, il va le pénétrer à l'intérieur de la larve. Et donc, par la suite, il va venir déposer ses œufs à l'intérieur de la larve. Donc, on voit ici, il a vraiment bien pris la larve. L'ovipositeur est rentré à l'intérieur. Et donc, après la ponte, l'insecte va retirer son ovipositeur et va aller parasiter d'autres larves, et ainsi de suite. Par la suite, les œufs à l'intérieur vont se développer à l'intérieur de la larve pour faire une émergence d'un nouveau parasitoïde. Il a une longévité qui est assez variable entre 2 et 12 jours. Et en fait, c'est augmenté avec la présence de sucre. Donc, quand on a la présence de fleurs aux alentours des champs de canola, par exemple, ça peut améliorer la longévité de Cynopeas. C'est un parasitoïde qui va préférer des larves matures plutôt que des larves jeunes. Et finalement, il va être capable de pondre ses œufs immédiatement après l'émergence. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme comportement. Au niveau de Cynopeas, la première étude importante a été conduite en Europe entre 2009 et 2011. Et en fait, ils ont fait une grande enquête en recensant les différents parasitoïdes de la cécinomie du chou-fleur. Qu'est-ce qui en est ressorti de cette étude? On avait 5 espèces qui ont été recensées, dont Cynopeas maelis, qui faisait partie en fait des 2 espèces majoritaires recensées. Les taux de parasitisme en Europe étaient par contre relativement faibles. On parle de 3% en moyenne pour Cynopeas, avec un maximum de 28%. Et depuis, en fait, il y a eu peu d'efforts qui ont été faits pour faire avancer un programme de contrôle en lutte biologique, comme des lâchers ou au contraire l'augmentation du parasitisme naturel de cet ennemi naturel. Alors, pourquoi il y a eu peu d'efforts? D'une part, parce qu'on a des faibles taux de parasitisme en Europe qui sont reportés. On parle de 3% ici en moyenne. Et aussi parce que ce parasitoïde, donc Cynopeas, a une large gamme d'hôtes. C'est-à-dire qu'il ne va pas parasiter uniquement la cécidomie du chou-fleur, mais d'autres cécidomies dans d'autres cultures, par exemple. Donc là, on se pose la question, est-ce que la cécidomie du chou-fleur est réellement l'hôte principal de Cynopeas maelis? Finalement, il y a une récente étude qui a été publiée en 2020 qui montre qu'il y a eu une augmentation de 30% du taux de parasitisme de Cynopeas dans l'Ouest canadien sur la cécidomie du pommier. Donc, encore une fois, ça vient souligner que la gamme d'hôtes n'est pas strictement au niveau de la cécidomie du chou-fleur, mais qu'elle pourrait être beaucoup plus large au niveau des cécidomies d'une manière générale. En 2018, on a appliqué pour un projet qui vise à regarder la présence en fait, de la cécidomie du chou-fleur au Québec, mais aussi de recenser si le parasitoïde est présent et en quelle quantité. Les différents objectifs, en fait, c'est de savoir où est localisé le parasitoïde, parce qu'il est largement répandu dans la province. C'est quoi son abondance? C'est quoi son taux de parasitisme? On a vu qu'en Europe, c'était relativement faible. On aimerait savoir si au Québec, c'est dans les mêmes taux de parasitisme. Et aussi de savoir c'est quoi l'évolution au fil des années. Matériel et méthode, c'est des études qui se passent en champ. Au Québec, à date, on a commencé en 2018. Les derniers résultats qu'on a en date sont de 2021. On a échantillonné 38 sites dans 7 régions différentes. Et on a fait, pour chaque année, 4 échantillonnages, donc entre juin, juillet et août, de 20 plants de canola qui sont infestés ou qui montrent des symptômes d'infestation par la cécidomie du chou-fleur. Ces plants ont été récoltés. En fait, on va les couper en petits morceaux, on va les mettre dans des pots d'émergence. Par la suite, ces pots vont être envoyés ici au sérum. Puis nous, on va faire le suivi tous les jours de l'émergence des nouveaux insectes. Donc, que ce soit de la cécidomie du chou-fleur, mais également le parasitoïde. Là, c'est sûr que ça prend énormément de monde tous les jours pour venir aspirer les insectes, mais au moins, ça nous donne une belle représentativité de l'infestation par la cécidomie du chou-fleur, mais aussi par la présence du parasitoïde. Donc, toutes ces données, en fait, vont être cumulées par plan. On parle du nombre d'insectes qui ont émergé, des dates d'émergence. Donc, on va pouvoir savoir est-ce qu'il est présent tôt ou tard en saison et aussi les taux de parasitisme. Donc, ici, je vais vous présenter les résultats entre 2018 et 2021. Donc, chaque point noir représente, en fait, tous les champs qui ont été échantillonnés. Et donc, ensuite, au niveau de la couleur, vous allez voir pour chaque année où on les a trouvés. D'une manière générale, le parasitoïde a été observé dans toutes les régions du Québec, mais pas forcément dans tous les champs. On a 7 sites qui représentent à peu près un peu moins de 20% où il n'y a pas de présence de parasitoïde. On parle d'un site au Bas-Saint-Laurent, un site en Gaspésie. Par contre, il y a beaucoup de sites en Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches pour lesquels on n'a pas la présence du parasitoïde. Et souvent, c'est les mêmes champs ou la même municipalité qui a été échantillonnée. On a fait des échantillonnages aussi en Montérégie-Est, où la culture du canola est peu représentée ici, mais on trouve quand même de bonnes abondances de Cynopeas maelis, et donc ce qui suggère qu'il pourrait se développer aussi dans les cultures brassicacées aux alentours, comme les cultures maraîchères. Là, la présence du parasitoïde, au final, est surtout liée à la présence de canola. Plus on va avoir de canola, de superficies de canola qui vont être collectées, plus on va retrouver facilement le parasitoïde.
Maintenant, la deuxième question qu'on se posait, c'est quand est-ce que le parasitoïde est présent? Il faut qu'il soit là quand la cécidomie cause des dommages. Donc ici, je vous ai mis l'échelle de croissance en fait, du canola en haut. Et donc, les stades sensibles, on parle de fin rosette jusqu'au début de la floraison. Donc, au niveau de l'élongation, c'est les stades les plus sensibles. Donc ici, en 2018, on voit que le parasitoïde était un peu plus tard en saison par rapport à la période sensible, mais il était quand même présent. En 2020, par contre, en Abitibi, dans la plupart des régions, le parasitoïde était présent pendant le stade sensible du canola. Donc là, on peut avoir un bon contrôle qui va se faire ou limiter les dommages, tout du moins dans la culture du canola. En 2020-2021, le parasitoïde était présent un peu plus tardivement, mais par contre, dans certaines régions, on voit que le parasitoïde était quand même présent au moment où il y a une période à risque, où le canola était à risque. Maintenant, si on regarde la présence de plants et la présence de plants infestés et le nombre d'insectes, au total, ça peut, pour 2019, en fait, on a collecté 780 plants de canola au total. Sur ces 780 plants de canola, il y en avait 46% qui présentaient une infestation par la cécidomie du chou-fleur. Là, c'est assez important, mais il faut rappeler que on choisit nos plants. On veut qu'il y ait de la cécidomie parce qu'on veut chercher si le parasitoïde est présent. Donc, à peu près, un peu moins d'un plant sur deux qui présentait de la cécidomie. Et sur ces plants, en fait, on en avait un peu moins de 30% qui hébergeaient du parasitoïde. Donc, c'est quand même relativement élevé comme taux. Si on regarde maintenant sur la totalité des insectes qui ont émergé, c'est à peu près 13% qui sont représentés par le parasitoïde et 87% par la cécidomie. Donc, on a à peu près un individu sur 10 qui va être parasité par le parasitoïde. Maintenant, si on regarde un petit peu d'une manière générale en 2019, c'est à peu près 61% des plants infestés par la cécidomie qui hébergeaient du parasitoïde. Donc, c'est relativement bien implanté. En 2020, même principe, on avait 40% des plants qui présentaient une infestation par la cécidomie du chou-fleur. Par contre, on a une réduction du nombre de plants qui hébergeaient du parasitoïde. On parle de 14%. Au niveau de la répartition, encore une fois, même chose, 15% de parasitoïdes, 85% de cécidomie. Et là, on a eu une baisse en fait du nombre de plants qui hébergeaient du parasitoïde. On parle de 36% des plants infestés par la CCF pour lesquels on a trouvé des parasitoïdes. 2021, à peu près la même proportion de plants infestés par la CCF. Par contre, encore une fois, on a une diminution du nombre de parasitoïdes pour arriver à 22 plants infestés par la CCF. 22 plants et dommages qui sont infestés par la CCF qui présentent des parasitoïdes. Là, si on regarde au niveau des trois dernières années, on voit qu'on a une du nombre ou de la présence du parasitoïde en fait, au Québec. Et on se pose vraiment la question pour 2022, est-ce que ça va être la même tendance? Et si oui, qu'est-ce qui se passe? On voudrait savoir c'est quoi les facteurs pour expliquer cette diminution. C'est bien beau de savoir s'il est présent pendant la période à risque, de savoir s'il est présent partout dans la province, mais c'est quoi réellement les taux de parasitisme. Donc, si on regarde dans les différentes régions pour lesquelles on a fait des échantillonnages, on se retrouve avec des taux de parasitisme moyens relativement élevés en Abitibi-Témiscamingue, au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, on est juste en dessous de 20%. Au Bas-Saint-Laurent, c'est assez variable. On a eu une très, très bonne année où on était à peu près à 25% de taux de parasitisme. Par contre, les années suivantes, on a eu une baisse drastique en fait du taux de parasitisme qu'on n'arrive pas forcément à expliquer pour le moment. Sinon, dans les autres régions, donc on parle de Gaspésie, on parle Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et en Montérégie, on a des taux qui sont relativement faibles. Et tout ça, en fait, est probablement à remettre en lien avec les superficies de canola qui sont... Mais plus on va avoir de canola, plus on va avoir de parasitisme, plus on va augmenter les taux de parasitisme. Si on remet tout ça en perspective, là, je vous présente les résultats. C'est le taux de parasitisme moyen à gauche, dans la colonne de gauche, au Québec. Donc, on parle de 24,8%, presque 25% en 2018. On a eu une baisse en 2019-2020 pour être aux alentours de 12-15%. Et finalement, en 2021, c'est là où on a eu le plus faible taux de parasitisme sur les quatre dernières années, en fait, où on fait l'étude. Donc ça vient vraiment montrer, encore une fois, qu'on a une baisse au fur et à mesure des années, mais qu'on n'arrive pas encore à expliquer. Si on remet ça en perspective par rapport à ce qu'on a observé en Europe, qui était de 2,9%, 3%, au Québec, on a quand même des taux de parasitisme qui sont plus élevés qu'en Europe. Donc ça, c'est relativement prometteur, même si on a une diminution au fur et à mesure des années. Si on regarde les taux de parasitisme maximaux, même chose, on montait jusqu'à 70% de taux de parasitisme pour certains champs en 2019-2020. Contrairement à 28% dans des champs en Europe. Donc, encore une fois, très prometteur. L'étude, bien sûr, elle n'est pas faite seulement au Québec. Je collabore avec Rebecca Allais de l'Université de Guelph.
Et eux font vraiment la même enquête au niveau de l'Ontario. Et donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut comparer les deux provinces. En Ontario, même la première année, en 2018, un taux de parasitisme de 7%, 6,5% en 2019. 2020, il y a eu la pandémie, donc ils n'ont pas pu échantillonner. Donc, on a l'absence de données ici, ou en tout cas très petites qui ont été échantillonnées. Par contre, phénomène intéressant, c'est qu'en 2021, leur taux de parasitisme a augmenté en comparaison au Québec où ça a diminué. Donc là, encore une fois, je pense qu'il y a des informations à aller chercher dans les deux provinces pour essayer d'expliquer pourquoi nous, au Québec, on a une diminution versus une augmentation en Ontario. Aspirer, en fait, tous les parasitoïdes qu'on recensait, les parasitoïdes, on a eu la, on suppose que c'est la première détection au Québec durant la saison 2019 d'un parasitoïde qui était différent. Donc, on voit réellement ici la différence par rapport à Cynopea, c'est qu'il a comme un, c'est comme une petite tige, ou un petit fourreau qui est au-dessus du thorax qui va protéger l'ovipositeur. Donc, ce parasitoïde, en fait, il appartient à la famille Inostema. Ici, ça vous montre la femelle qui vient protéger en fait son ovipositeur à l'intérieur d'un fourreau. Et donc, en 2020 et en 2021, on ne l'a pas retrouvé. On l'a retrouvé seulement en 2019, mais on continue à regarder pour voir si oui ou non, c'est un parasitoïde qui va se développer au Québec ou au contraire qu'on a retrouvé seulement une saison. Si on conclut un petit peu tout ce que je viens de présenter, Cynopea, c'est un parasitoïde qui est largement distribué au Québec, qui est présent dans les différentes régions. 82% des sites pour lesquels on a du parasitoïde, 71% en Ontario, donc c'est quand même relativement développé au Québec et en Ontario, présent en fait dans les champs. De 49 à 66% des plants échantillonnés en Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc là c'est là où on a les plus grosses superficies de canola qui sont ensemencées chaque année, qu'on a quand même des bons taux de présence du parasitoïde dans ces régions. C'est un parasitoïde qui va être présent pendant 11 semaines. Donc, il peut quand même contrôler la cécidomie tout au long de la saison. Il arrive un petit peu tardivement. On va voir des variations entre les régions, donc en termes d'abondance, en termes de taux de parasitisme. Là, je reviens par rapport au Bas-Saint-Laurent, où on a eu des forts taux de parasitisme en 2018, puis une baisse drastique par la suite. Donc, ça, on va voir pour essayer de l'expliquer. Les taux de parasitisme au Québec sont beaucoup plus élevés qu'en Europe. Donc, ça, c'est vraiment prometteur. Dans la littérature, on rapporte que 32 à 40% de taux de parasitisme, ça permet d'avoir un certain contrôle ou un bon contrôle sur les populations d'une manière naturelle, sur les populations ravageurs. Finalement, la différence entre l'Ontario et le Québec, on va l'évaluer pendant la dernière année, donc qui va être en 2022. On a une tendance à la baisse au fil des années. Donc, on a la dernière année d'échantillonnage qui va être en 2022. Donc, on attend vraiment cette saison avec impatience pour voir qu'est-ce qui se passe, si ça continue à diminuer ou non. Et finalement, l'abondance du parasitoïde, ça, c'est une question en fait qu'on se pose. C'est est-ce que l'abondance qu'on a maintenant au Québec est suffisante pour avoir un contrôle de la cécidomie du chou-fleur? Ça, c'est quelque chose, on se pose la question, puis ça va être probablement une suite. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui participent, parce que c'est pas nous qui faisons le tour de la province pour aller échantillonner les champs, mais on a beaucoup de clubs conseils en agro-environnement qui nous supportent et qui nous aident à faire les échantillonnages. Tous les producteurs participants aussi qui nous laissent aller dans leur champ pour prélever des plants et puis contribuer à la recherche. Les membres du réseau d'avertissement phytosanitaire en grande culture, donc ça, c'est des importants collaborateurs aussi parce que il y a des gens au MAPAC qui vont aller dans les champs puis nous aider aussi à faire des prélèvements. Finalement, on a des personnes qui sont impliquées aussi dans l'identification des insectes, notamment en biologie moléculaire dans l'Ouest. On peut parler d'Agriculture Canada, l'Université de Copenhague, la collection nationale du Canada et aussi le LEDP du MAPAC, le laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection. Finalement, je remercie l'équipe du Sérum aussi, l'équipe de l'Université de Guelph pour lesquelles on collabore pour ce projet et finalement ECODA et Agriculture Canada pour le financement au travers du partenariat canadien pour l'agriculture. Bien sûr, je ne peux pas finir la présentation sans faire un peu de promotion pour mon guide sur les ravageurs et les ennemis naturels du Canada. C'est un guide qui a été publié en 2021. Donc, le contenu, on va avoir des fiches pour les différents insectes ravageurs du canola. Là, on va parler des hôtes, comment on les identifie, c'est quoi le cycle de vie, c'est quoi les dommages qu'ils vont causer au niveau du canola, comment on les dépiste. Les seuils économiques, s'ils sont connus, on va aussi les présenter. Donc, c'est un guide qui est destiné aux producteurs agricoles, aux conseillers, aux dépisteurs en grande culture. En fait, à n'importe qui s'intéresse de près ou de loin au canola. Et la grande, pas nouveauté, mais on a vraiment mis l'accent sur les ennemis naturels. Donc là, on a vraiment des fiches dédiées aux ennemis naturels
qui sont présents dans la culture du canola. Donc là, on a vraiment des fiches complètes et on a des liens aussi qui vont se faire entre tel ennemi va pouvoir contrôler tel ravageur, etc. Donc ça, c'est vraiment important si vous allez dans les champs pour savoir si oui ou non vous avez la présence d'ennemis naturels dans vos champs. Donc finalement, c'est un guide qui est disponible en format poche ou en format électronique. Et il est gratuit, donc n'hésitez pas à en demander une copie.